Bonsoir Maud Leboeuf. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes un ovni dans le monde de la cuisine, j'aurais dire dans le monde de la pâtisserie, très exactement, puisque vous avez 16 ans. 16 ans à peine, mais vous jouez déjà dans la cour des grands. Vous venez de publier ce livre absolument alléchant, ça s'appelle « Les super pâtisseries de Maud », des dizaines et des dizaines de recettes, de gâteaux, de tartes, d'entremets, de mousse, c'est délicieux. Et vous avez été sacrée meilleure pâtissière de l'année, rien que ça, dans l'émission du même nom. Je m'attendais à ce que vous veniez avec plein de gâteaux, je crois que je n'étais pas la seule d'ailleurs, mais non. Manque de peau, vous venez tout juste du lycée, c'est ça? Exactement, je suis désolée de vous décevoir, mais bon, les cours m'attendaient. Dissertation, bac blanc de français, je crois. Ah oui, entraînement d'oral de français, exactement. Ça s'est bien passé? Ça va. Ça va. J'ai sauvé les meubles, on va dire. Donc, non, ça s'est bien passé. Bon, il paraît que vous êtes bonne élève, je suis sûre que ça s'est très bien passé. Alors, comment est-ce qu'à 16 ans à peine, on devient une pâtissière hors pair? Je précise quand même que ce n'est pas l'équivalent des jeunes prodiges qui, depuis 4 ans, font du piano. Alors donc, quand ils ont 14 ans, ça fait déjà 10 ans qu'ils font du piano. Vous, ça fait très peu de temps que vous êtes mis à la pâtisserie. Ça fait 2 ans. Donc, même parfois, moi, je me pose la question, comment, enfin, c'est possible que... aujourd'hui, j'ai remporté le meilleur pâtissier. Donc, j'ai toujours un peu de mal à réaliser. J'ai l'impression... C'est quoi, votre maman, votre papa, c'est de famille? Non, pas tant que ça. Mes parents, ils cuisinent, parce qu'ils aiment bien rapidement pour nous faire à manger, mais c'est pas du tout des passionnés. Donc, ça m'est tombé dessus. J'ai fait un gâteau. J'ai bien aimé. J'en ai fait un deuxième. Et de fil en aiguille, je me suis découvert une passion. Et apparemment, ils sont très bons, ces gâteaux. J'ai lu quelque part que vous êtes intéressée à la cuisine au départ et pour apprendre à manger plus sainement. C'est assez paradoxal de devenir la reine de la pâtisserie pour manger sain. Parce qu'un gâteau, par définition, c'est quand même un petit peu sucré, un petit peu gras. Exactement. Alors en fait, j'ai commencé d'abord par de la cuisine où je m'étais dit, vas-y, je vais essayer de faire des plats un petit peu plus équilibrés, etc. Et puis, au final, j'ai commencé avec ça. Et je me suis dit, un jour, je vais faire un gâteau pour un dîner de famille. Ça m'a plu. Ça a plu aux gens. Et du coup, j'en ai refait un. Et de fil en aiguille, c'est ça que j'ai préféré à la cuisine. Et alors, les gâteaux diététiques, il paraît que c'est possible. Il y a une histoire de courgettes qui pourraient remplacer le beurre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vrai que dans mes débuts, j'avais essayé un gâteau où on remplaçait le beurre par de la courgette. Et étonnamment, c'est vraiment très bon. Donc, je pense qu'il y a des choses à réfléchir, à travailler. Et c'est là-dedans que moi, j'aimerais aussi essayer de travailler sur des sucrés, trouver... Désucrer un gâteau, c'est ça? Moins sucré, donc. Oui. Et peut-être changer quelques ingrédients de la recette pour alléger légèrement. Après, je pense qu'il faut mieux manger un gâteau une fois par semaine. Très bon gâteau, on se fait plaisir quand manger un tous les jours, soi-disant allégé. Ouais, et qu'il soit moins bon. Voilà. Dessucrer un gâteau, par exemple, on peut le faire avec quels ingrédients? Comment ça fonctionne? Par exemple, déjà, dans la pâtisserie, il y a des gâteaux qui sont très sucrés. Il y a des gens qui ont des palais qui aiment moins le sucre, donc là, il suffit juste de baisser la quantité. Et sinon, on peut remplacer, par exemple, le sucre par des réductions de jus de fruits ou... Du citron, c'est ça? En ajoutant du citron, ça va forcément, ça va être désucré, ça va rajouter un peu de peps. Il y a plein de choses à faire. Vous sortez donc ce livre, je le disais, vous avez également un compte Instagram, plus de 140 000 abonnés. Vous êtes une petite star dans ce milieu de la pâtisserie. Vous avez même lancé un site internet, Les Gourmandises de Maud. C'est quoi la pâte de Maud, votre touche, votre point fort finalement, ce pourquoi vous avez vos fans? Alors, je pense que mes points forts, c'est le pochage que j'aime beaucoup travailler. Et parce que pour moi, c'est le geste pâtissier. Enfin... Alors, on va expliquer peut-être ce que c'est que le pochage. Hein, parce que ce n'est pas pocher des poires au vin ou au sirop. On n'est pas du tout là-dessus. Hein, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur... on a une crème, une pâte. Ça peut être la pâte à macarons aussi. Et on a différentes poches qu'on vient mettre dans des douilles en plastique ou des douilles réutilisables. Et on fait différents gestes, en fait, pour obtenir comme des motifs avec la crème. Donc là, j'ai fait, comme on voit, un pochage en forme de fleur. Mais il y a là, des c'est une tarte à la fleur de pistache. Une tarte à la pistache, voilà, où j'ai appelé fleur de pistache parce que je trouvais que ça avait une forme de fleur. Et on peut faire plein de pochages différents et j'aime bien. C'est un grand travail très minutieux qui est assez complexe, hein, même si ça a l'air simple comme ça. Rassurez-nous, il y a quand même des recettes assez... pour débutants dans le livre, des recettes qu'on peut faire facilement? Il y a des recettes pour tous les niveaux. Ouais. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu
essayer de faire. Mais en fait, le livre, il va un peu en crescendo. Ouais. On commence par des madeleines, des cookies, il y a des cakes, ou des choses vraiment simples. Et après, on monte petit à petit vers tiramisu, crème brûlée, tarte. Et après, on finit par des entremets, si on est vraiment motivé. L'entremets, c'est ce qui est dans les choses les plus dures à réaliser. Pourquoi? Dans les choses les plus dures. Parce que c'est les gâteaux à étage où dedans, il y a un insert, une mousse, un biscuit, un décor, un glaçage. On peut être parfois, je suis sur 5-6 heures pour le gâteau. C'est ce que j'allais vous dire. Combien de temps d'entraînement? C'est finalement comme des sportifs de haut niveau. Vous entraînez énormément. Vous êtes étudiante à côté. Comment vous faites? Alors, je dirais que le secret, c'est moins dormir. Moins dormir, vous le dites en riant, mais je crois que c'est vrai. Vous avez un peu pris sur votre sommeil. Je pense que je pâtisse le soir ou tôt le matin. Et après, forcément, le week-end, etc. Mais, vous levez plus tôt pour pâtisser? Oui, ça m'arrive de me lever plus tôt pour pâtisser. Après, pour faire 2-3 préparations, je ne vais pas me lever à 4 heures, mais me lever à 5h45, 6h. Je fais des petites préparations, je vais au lycée. Après, je rentre chez moi, je travaille si j'ai besoin de travailler. Et tout le monde est ravi dans votre famille, puisqu'il y a des gâteaux tout le temps à la maison, du coup. Tout le temps, ouais. Fait beaucoup de sport. Je crois que votre maman en coulisses m'a dit tout le monde s'est mis au vélo et au footing. Mis à fond. Alors, il y a plein de techniques complexes, vous le disiez, mais il y a même un glossaire dans le livre. Hein, voilà, donc pour tous ceux qui découvriraient la pâtisserie. Alors, il y a des mots cocasses. J'ai découvert, par exemple, qu'on pouvait décuire une pâtisserie ou on pouvait aussi dégazer. Alors, c'est quoi dégazer en pâtisserie? En fait, dégazer, c'est par rapport aux pâtes à brioche. Ouais. Donc, toutes les pâtes qu'on pousse, on les laisse pousser. Et en fait, il y a du gaz. Parce que c'est la levure. Et elle lève, du coup, c'est ça? Exactement. En fait, c'est la levure qui va manger les sucres, si je ne dis pas de bêtises. Donc, qui va lever. Et après, dégazer, en fait, c'est appuyer fortement sur la pâte et pour enlever ce gaz. C'est de la chimie. Finalement, je crois que vous aimez beaucoup la chimie, la physique-chimie. Bien, la physique-chimie. Ouais. Vous alliez les deux. Exactement. La pâtisserie, en fait, c'est de la physique et c'est de la chimie. Est-ce qu'il y a des choses qui vous résistent, des trucs que vous n'aimez pas trop faire? Alors, moi, j'aime pas trop tout ce qui est les pâtes. Les pâtes à gâteau? C'est assez étonnant, mais... Bah, c'est la base du gâteau. C'est vrai. Et de la tarte. Je le fais parce que il faut, enfin, ça fait partie des éléments. Mais je prends pas une grande passion à étaler les pâtes, à plier les pâtes, bouler les pâtes. C'est pas trop mon truc. Voilà, on voit une belle tartelette au sirop d'érable. Une belle pâte. Avec une belle pâte, quand même. Ça valait le coup de la faire, de la confectionner. Vous avez été repéré, du coup, par les plus grands, pas que par nous. Le célèbre pâtissier, Christophe Michalak, vous a proposé de venir en stage chez lui. Il y a aussi la chef pâtissière de l'Élysée, excusez-moi du peu, qui vous a approché. Mais alors, je crois que vous avez décliné. Pourquoi? Alors, j'ai décliné l'offre de la chef de l'Élysée, même si j'admire beaucoup, parce que moi, j'ai envie de continuer mes études, en tout cas pour l'instant, au moins jusqu'au bac. Et donc, je ne peux pas faire un apprentissage en même temps. Talentueuse et sérieuse à la fois. Bonne continuation à vous, Maude Leboeuf. Les super pâtisseries de Maude, vous pouvez les découvrir voilà, à la maison. Déjà un gros succès pour les petits, les grands, les plus jeunes, les moins jeunes, les gourmands ou alors les pas trop gourmands qui me veulent faire plaisir aux gourmands. Bref, pour tout le monde. Et la prochaine fois, vous venez avec le gâteau à la courgette. Je m'engage, c'est promis. Merci Maude Leboeuf. Tout de suite, c'est dans l'air. Je vous retrouve demain. Bonne émission.